Salut, c'est B-Boy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre la revue sur... Tada! Le méga deck de Pokémon avec Articodin. Donc c'est un ciel rugissant, ce deck à thème, donc ce souffle polaire. Donc c'est avec l'eau et le feu. Donc on a une carte promotionnelle dedans et puis dedans il y a un deck avec plein de cartes. Donc il y aura plein de doubles, ça je le sais. Parce que j'ai vu des revues et puis je sais comment ça marche, c'est gros paquet. Mais bon, voilà quoi. Donc il y avait le même à la Fnac, je l'ai acheté à la Fnac. Il y avait le même de... Enfin le même, la même sorte de boîte quoi, le même deck. De Elector et de Groudon. Mais moi j'ai pris Articodin parce que j'adore l'eau et enfin j'adore les types eau et feu. Tandis que Primogroudon c'était électrique et combat là. Et Elector c'était... Je sais plus. Électrique et je sais plus. Bref, on s'en fout. Je crois que Primogroudon, enfin Groudon quoi c'était... dragon. Bon, on s'en fout. Là, je fais celui d'Articodin. Donc, je vais l'ouvrir. Je prends des ciseaux qui sont derrière lui. Donc, ça m'a coûté 15,99€. 16€ quoi. Donc, c'est quand même assez cher. Je comptais prendre autre chose à la Fnac. Mais ils avaient presque plus de trucs Pokémon. Ils avaient soit les gros decks comme ça, comme je vous ai dit. Soit. Un seul petit booster, mais bon, 6€ le booster, ça va quoi. Ou alors, il y avait les cahiers de rangement avec un booster, mais bon, il coûtait 16,99€. Donc, j'ai préféré prendre ça. Bon, voilà. Je mettrai à la poubelle tout à l'heure. Donc, voilà la grosse boîte. Ah, derrière, il y a du scotch pour le truc qui est plié. Voilà. Donc voilà. Donc submergez votre adversaire avec la magnificence chatoyante du deck à thème souffle polaire. Laissez le Pokémon glaceur Articodin ouvrir la voie avec vent glaçant, tandis que Victini paralyse l'adversaire avec une ou deux attaques choc mental. D'accord. Bon voilà, j'ai lu un peu ce qu'il y avait là quoi. Donc je vous montre l'arrière, le devant, et puis on va ouvrir ça ensemble. Donc voilà, j'ai mis de façon à ce qu'on ait plus de luminosité. Donc pour ouvrir, donc c'est parti. Donc pour ouvrir, Nishirachi croyait que c'était sur les côtés là, sur ce côté ou ce côté. Et elle a même testé vers le bas. Mais il y a une ouverture facile en haut, comme le deck du dresseur de Latios et Latias, ou de Philali et je sais plus, Bruiverne je crois. Mais bon. Ah ouais, putain, quand ils disent ouverture facile, c'est quand même dur. Ah si, ça y est, j'y arrive. Voilà. Olé. Bon, voilà la boîte. Mais ça, on s'en fout. Donc, je vais me remettre dans la même position. On va même ouvrir sur mon lit parce qu'il y a plus de luminosité. Donc, voilà. Donc, il y a un jeton avec. Attendez, j'enlève le plastique. Olé. Olé, le jeton, il est tombé. Olé, vas-y. Trop stylé, le jeton. Donc c'est un méga Rayquaza vert. Putain mais vous voyez rien, ça me saoule. Bon désolé, je vais pas mettre plus de luminosité que ça. Donc voilà, il y a ma lumière en haut. Donc ça me saoule. Bon. Donc voilà le jeton. Ma lumière, ben là vous voyez la boule de la lumière. Elle est pile là. On n'entend pas. Bon. Voilà.
Donc je peux pas montrer mes DSL. Alors là, donc je vous montre les trucs. Ah bah voilà, là on voit bien. Donc je vous montre les codes online. Donc je vous les dicte en même temps. FWY-MT9R-DJ3-LD5. Voilà. Bon, ici on a la boîte. Donc super stylé. Donc ici on a Articodin, le contour et Articodin. Mais c'est la même sorte de boîte qu'il y avait dans le kit du dresseur. Après on a un papier que je suis en train de déplier. Bah, c'est juste un papier. Je ne peux pas trop vous montrer là, mais c'est comme ça quoi. Puis derrière il y a ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, joli papier. Ici, les jetons de vie de je sais pas quoi qui me servent à rien. Là, le dépliant pour y jouer. Donc normalement, il y a voilà, ouais, il y a Articodin et Elector. Donc je les déplie. Comme ça. Donc d'un côté Articodin, de l'autre Elector. Puis derrière, merde. Et derrière, tous les trucs habituels à lire. Voilà. J'ai raté le pliage du papier, mais je m'en fous. Et puis, je vous montre la carte du deck. Donc, c'est Articodin holographique. Donc, avec un effet qui brille mosaïque, là. Donc c'est la 16 sur 108, c'est une rare. Et elle est, c'est l'illustrateur, c'est Noki Seito. Donc voilà. Taille 1m70. Ah bah Articodin il me dépasse. Bref. Donc voilà quoi. Voilà la carte promo. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, normalement, il y a encore un Articodin pareil que la carte là, mais qui brille pas. Donc, il n'y aura aucune rare dans les decks. Parce que les decks, c'est pas des trucs à rareté. Donc, je garde la boîte. Vous pouvez me trouver chelou. Je m'en fous. Alors, énergie feu. Énergie feu, Drabi, Colombo, Béquipan, Rapace de pique, énergie eau, passe rouge, désolé si vous voyez pas bien, mais bon, voilà quoi, Goélis, Poissillon, énergie eau, Nirondelle, Piafabec, Lettre du professeur, Dracos, Energio, Tilton, Dratak, Insolourdo, Energio, Drabi, Victini, Rappel, Énergie Feu, Energio, Goélis, Elidel, Échange, Energio, Articodin qui brille pas, comme je vous disais. Tierno, Passe Rouge, Fan Club Pokémon, Énergie Feu, Timmy, Insolourdo, Piafabec, Énergio, Pierre, Drabi, Béquipan, Rapace des Piques, Énergio, Colombo, Tilton, Hyperbole. Énergio, Nirondelle, Énergie Feu, Poissillon, Tierno, Énergio,
Dame du centre Pokémon, Dracos, lettre du professeur, Alizé et double énergie dragon. Donc, voilà. Finalement, dans ce deck, il y avait du feu, du haut, du normal et du type dragon. Voilà. Ça y est, c'est tout. Je vais juste faire le tri de toutes les cartes en double. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le manque de lumière et le temps de la vidéo. Mais bon, je pouvais pas faire mieux là. Mais la prochaine fois, j'essaierai de vous faire la vidéo pour les Pokémon. J'essaierai de vous faire la vidéo sur un pack spécial. Donc, j'attendrai à la FNAC s'il y en a. Mais je partirai en vacances pendant 2 semaines, au fait. Donc, je ne pourrai pas envoyer les vidéos. Et je vais pas les envoyer avant. Parce que je peux pas. Voilà. Donc, vous n'aurez pas de vidéo pendant 2 semaines. Mais cette semaine-là, vous aurez 3 vidéos comme d'hab. Donc, j'espère que vous passez de bonnes vacances. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis j'ai fini, quoi. Donc, salut !